Dark Mayor. Et bonjour à tous et bienvenue sur ce petit live sur Oxygenated. J'ai pas beaucoup de temps cet après-midi donc j'aurais quand même envie de jouer un petit peu. Donc ce sera un petit live. On va s'occuper de la centrale électrique, de refaire ça propre dans une pièce dédiée. 4, 5, 6, 7, de calculer un petit peu comment on va faire la centrale. Alors par contre on va mettre des ordres massifs de ramassage de bordel parce que là ça commence à laguer un petit peu. Et c'est vrai qu'on a énormément de bordel qui traîne de partout. Donc on va leur faire ramasser un petit peu tout ça. Voilà, comme ça ils auront de quoi faire pendant qu'on est en train de. Je devrais pas mettre en 9 les priorités, les ramassages, je devrais les mettre en 8. Sinon, ça, comme ça les sortes de conscience prennent le pas dessus. Voilà, ça c'est ramassable assez rapidement, on est quand même devant la base. Merde. On sait que j'étais déjà que j'étais sur le mauvais truc. Je sais, ils sont en épongie. Pas que ça éponge, je veux que ça ramasse. Ça ramasse un peu tout ce merdier là. Là aussi, s'il y a des trucs qui traînent par terre, il faut les ramasser. Là aussi, on va ramasser ça. On va ramasser ça parce que c'est toujours bien de ramasser le cuivre. On va ramasser ça aussi, ça va faire de la place. On va ramasser ça. Ah tiens, ben voilà, là il y a un démolir à priorité 9. Pas par ici, on va plutôt démolir celui-là. Je vois que là il me manque un truc. Pas trop bon pour l'isolation. Continuer avec les sortes de ramassage. La priorité 8. Ici, ils ont presque tout ramassé, là, c'est bon. J'adore quand ça fait ça. C'est... Mais putain, j'ai dit annulé. Ouais, il est vraiment temps que je fasse du ramassage. Là, ça commence à laguer. Costaud. Donc voilà, je vais leur programmer le ramassage de tout ce qui est relativement proche du truc. Je viens de voir que j'ai fait pas mis, éliminer l'équipement sur l'élimination. Il faut que j'aille voir si j'ai pas fait une connerie. À un moment donné, j'ai viré un petit bloc qui est passé. Oh, c'est bon. Électricité, c'est bon. Ouais, et puis ça me permet d'avoir de mettre du ramassage en priorité 9. Sur ici.
pour dégager la place pour la nouvelle centrale électrique. Alors, première chose à voir, les prérequis de la centrale électrique pour calculer la pièce. La centrale électrique, quelle taille? Centrale électrique, on est sur du 96. Ça doit faire du 24 si je me souviens bien. Si je le fais par 4 de haut. Sachant que est-ce que je le fais par 4 de haut, c'est plus intéressant peut-être de l'avoir par 3 de haut, puisque les transfos. Les transfos ils font du 3 blocs de haut. Enfin les, pas les transfos, les machines. Donc si je fais du 96 sur 3, on est sur du 32. On est sur du 32. Prendre les mesures. Là je suis sur du. Si je prends touche à 27 blocs de large. Donc il faudrait que je fasse une centrale électrique sur deux niveaux. Pense qu'on va faire comme ça. Il faut que je prévoie mes transfos avec éventuellement une batterie, ce qui fait 5 cases. Alors est-ce que je les mets en dessous des transfos? Est-ce que je prévois en dessous et au-dessus? Je pourrais peut-être prévoir ça, une en dessous et une au-dessus. Ce qui voudrait dire que je fais une centrale électrique par exemple ici, ça me fait une ligne au-dessus pour des transfos, une ligne en dessous et là la centrale électrique. Et une ligne en dessous de libre. Toujours bon à prendre. Ça me semble pas mal. Commencer par fermer ça comme ça. Nouveaux imprimables. Ah, il y a une inondation, tiens. Il y a un équipement hors d'usage, il faudra que j'aille voir. Nettoyer, cuisiner, élever. Soigner, opérer, élever. Flatulence, c'est plus un problème maintenant. Non, on va pas prendre, de duplicant pour l'instant. Un petit tour sur les compétences quand même, notamment mon nouveau auto, mon nouveau constructeur. Ouais, c'est bon, il est à fond. Il y a la construction à fond, mais lui il aimerait bien avoir ça serait bien qu'il ait l'excavation aussi. Alors moral est bien remonté quand même hein. Depuis qu'ils ont ce qu'il faut en oxygène, c'est sûr que ça ne peut qu'aller mieux. Alors, est-ce que j'ai. Oui, j'ai Catalina qui est l'ingénieur en mécatronique. Catalina qui est une artiste. Catalina
Catalina qui m'a dit qu'il fait décorer en priorité, opérer en seconde priorité. Ben, c'est très bien. On va faire fermer la pièce déjà. Alors, est-ce qu'on va faire métique ou pas? Ensuite, alors on va commencer à mettre en place les transfos. Donc dans ces pièces-ci, je vais vouloir des transfos électriques. Donc je vais vouloir je veux dire des machines. Déjà la machine du centre. Donc il me faut station. Elle est où? Elle est là. Il me faut cette machine. La mettre comme ça. Il me faut une communication entre les deux étages. Transfo de gestion, il m'en faut au moins 3. Les transfos de gestion peuvent être extérieurs, c'est pas un problème. Voilà. Ensuite, je vais avoir la place pour les transfos. Donc ça, c'est pour réduire la pièce pour aller vers les 96. Pour aller vers les 96 blocs, tout le monde est sur 192 dalles, donc j'ai droit à 96. 32, donc ça fait 1, 2, 3, 31, 30. Ok, j'ai droit à 30 de profondeur, c'est-à-dire 2 fois 15. 2 fois 15, alors 15, ça fait combien? 15, ça me fait aller jusqu'ici. Après, je sors de la salle. Est encore présent, il faut encore qu'il travaille au ramassage. Une, deux, trois,
faudrait que je puisse vérifier le volume. On va pas être pressé, on va laisser qu'on soit le truc. Ok, donc déjà la pièce est valide. Alors combien est-ce qu'on est sur 96? On est à 95. Voilà. Ok, donc on est bien à la bonne taille. Maintenant, on va y mettre les installations. Donc, on va y mettre deux générateurs à gaz naturel. Générateur à hydrogène, il m'en faudrait plus que deux. Il m'en faudrait au moins trois. Je dis bien au moins. Le problème, c'est que j'arriverai pas à en passer plus que 3 dans cette salle. Sinon, il faut que je fasse une salle spéciale pour les générateurs à gaz naturel. Quand il y réfléchit, rien ne m'interdit de faire 2 salles. Parce qu'il faudrait que j'ai suffisamment de générateurs à gaz naturel. Et du pétrole. Alors, le gaz naturel, non, il m'en faut 4 pour être bien de ça. Ah, mais il fait que 2 de large, lui, c'est vrai. C'est vrai que les bras ils comptent pas en fait. Ok, on va faire comme ça. Et les générateurs à charbon, on va les mettre dans une autre salle. On va en faire une deuxième. On va en mettre 4. De toute façon, avec le système de priorité, il n'y a pas de souci. Ils ne fonctionneront que quand on en a besoin. Donc voilà. Alors lui, il va me jeter du liquide. Donc le liquide ici, je veux qu'il puisse passer pour aller en dessous. Et pour qu'il s'écoule, s'écoule ici. Ensuite, on va... Donc comme je l'ai dit, on va s'occuper de cette salle. Ici, on va refaire donc une salle. Bon, il va y avoir un peu de l'eau qui va traîner du côté au fond là, mais c'est pas grave.
Il faut que j'ajuste quelques trucs, ce que j'ai pas prévu, mes passages. Donc il me faut une batterie qui me gère ça, une batterie qui me gère ça, une batterie qui me gère ça. Alors est-ce que je les mets à côté les batteries? Alors, ça pourrait être intéressant de mettre donc une batterie ici. Donc une batterie ici pour me gérer ça. Et il manque la batterie qui me gère le gaz naturel. Est-ce que le gaz naturel, je ne le mettrai pas hors limite tout simplement? Après, j'ai pas encore géré les gros câbles. J'ai un bloc de marge sur ces pièces. Ça veut dire que je peux me permettre de démolir ça. Et ça, là vraiment, les pièces restent valides. Ce qui me permettrait de laisser mon passage pour le câble. Effectivement, c'est bon. Donc du coup, il faudrait que je mette mes plaques de jonction. Qu'est-ce qu'elle donne de plus celle-là? Elle coûte 100. Celle-ci, elle coûte 200 brut. Celle-ci, elle coûte 100 raffiné. Température surchauffe. Oui, donc je ferai en copper forcément. Bon, je pourrais les faire en fer, remarque. Tant qu'à faire, on va en profiter, on va passer sur des câbles à haute conduction. J'ai jamais vraiment utilisé ces trucs, donc ça va être l'occasion. Donc pour l'instant là j'ai pas mis de batterie qui me gère le démarrage des des générateurs à gaz naturel. Alors bon déjà ça c'est bon. Ça c'est bon. Bon là, ça configurait hein, mais déjà c'est en place. Ensuite,
Où est-ce que je pourrais la mettre cette batterie pour que ça fasse clean? Je pourrais rajouter une batterie en bas. Quand ils sont foutus, transfo au-dessus, ils vont m'emmerder. Remarque, ça devrait le faire. Pas envie de le laisser sans batterie, putain, il commence à faire chaud aujourd'hui, c'est pareil, dites pas que de retour en canicule. Non, c'est juste ce week-end qui va faire chaud. Et pourquoi ce putain de téléphone ne charge pas? Allez. Excusez-moi une seconde. Excusez-moi. Excusez-moi, faut toujours qu'on s'emmerde avec ces trucs, ça charge quand ça a envie. Alors on va faire comme ça. Espérons que ça ait assez de jus pour nous charger pas en 10 ans. Je suis un peu sceptique sur la chose. Ah bah, ça charge pas plus. Il déconne, c'est pas possible. Ça a l'air d'aller. Ok, donc j'en étais à mettre une batterie qui me commande les générateurs à gaz naturel. Et je sais pas où la mettre pour faire propre. Ça me gonfle. Sinon, s'il faut que je la mette là en dessous. Non, ça fait juste la taille de trois gros générateurs, donc faut que je les garde pour le pétrole. Allez, on va pas chipoter 10 ans. La batterie, elle va tomber ici. Le problème, c'est que le câble, si je la mets ici, ça m'oblige à sortir le câble haute tension ici. Et il peut pas traverser la porte. Sachant que si je veux me servir de là derrière pour faire passer pour y poser des transfos,
Il va de toute façon falloir que... Je l'équipe. Alors je vais y penser à y mettre des gros transfos un peu de partout. Est-ce que je peux pas mettre les gros directement? On va directement mettre les gros transfos, on s'émerdera avec ça. Alors, encore toujours pareil, les transfos, ça rentre par au-dessus. Ça sort par en dessous. Pour ça que de les mettre à l'horizontale, c'est un peu chiant, surtout si je veux sortir par au-dessus. C'est pas grave, on mettra des ponts, ça devrait passer. On mettrait 4 là-haut. Quatre en bas déjà, ça ferait pas mal. On m'aura bouffé la moitié de mes réserves de cuivre raffiné. C'est pas grave. Ah ouais, mais ça je voulais éviter parce que là du coup lui il va couler ici. C'est pas grave, on va le faire remonter. Parce que ça va me faire une flaque d'eau stagnante là et je veux éviter l'eau stagnante quand même. Ok, donc c'est quand l'énergie descend à c'est haut 95, seuil bas 40%. Donc les générateurs à hydrogène, c'est haut, c'est ceux qui tournent en priorité 100%, seuil bas 60. Et on mettra à 50% pour le gaz. Gaz, on mettra à 50-95.
Ok, donc il reste à gérer et d'amener les gaz. Alors, le gaz naturel, pour l'instant, il monte comme ça. Alors déjà, on va faire la sortie du gaz naturel parce que ça va être le plus simple. Vu qu'on a le truc ici. Voilà. Ensuite, on doit amener ici de... J'essaie de bien visualiser. Ouais, comme ça. Alors le gaz naturel, donc lui, sa montée, sa colonne de montée est ici. Là, il faut qu'il me les fasse rapide. Ok, donc le gaz naturel c'est géré. Maintenant l'arrivée d'hydrogène. L'arrivée d'hydrogène elle est faite par ici pour l'instant. Comment est-ce qu'on la gère l'arrivée d'hydrogène? Est-ce que je la referai pas complètement? Donc là pour l'instant on va garder la boucle, on va imaginer qu'ici on tracera tout droit. Une fois qu'on aura viré ça, ça sera facile. Donc on a le gaz naturel qui va arriver. Tac, comme ça. Le gaz naturel, pardon, l'hydrogène. Et donc l'hydrogène, faut que je le fasse aller ici. Ça déjà c'est du sûr. Alors la question qui se pose c'est comment sauter ces conduites sans galérer de ouf. Je vois pas 10 000 solutions viables. Putain, le problème qu'il y a c'est que ils me font chier mes générateurs actuels. La transition, c'est toujours chiant. Oh merde, sur le concours de touche entre R et T.
avec quelques bricoles qu'il fallait que je m'occupe. J'avais complètement zappé une inondation. Ah bah c'est normal ça. Ça c'est normal, hein, ça va. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas encore fait le scan biométrique là? De là, ils arrivent à monter ici normalement, il n'y a pas de raison. Peut-être parce que je les occupe un peu trop ailleurs. C'est ce qu'on va faire. On va faire une transition plus douce. Merde, c'est vrai que là je peux pas. Merde, d'ici sinon. Sinon je fais en câble haute puissance normale. Et je vais le faire connecter avec le câble d'ici. Donc du coup, ben, il faut qu'il me la finisse ma salle. De manière à ce que je puisse faire amorcer la transition. Donc il faut qu'il me finisse tout ça. Tout. Ça, je pourrais commencer ma transition tranquille. Elle est déjà en train de me foutre des puces de partout dans les machines, c'est parfait. C'est ce que je sais, ce qu'on attendait là. Parce que du coup, un générateur avec une puce, c'est 50% de production électrique en plus, c'est énorme. Gros de touche. Bon, allez, il leur faut une pause. Comment ils servent, je peux déjà leur faire démolir les transfos ici. Chaque truc démoli, ça fera des ressources pour construire les autres. Comment ça, non? Voilà. C'est simple, t 5, hein, c'est... Voilà.
C'est une priorité de 9. Qu'elle les remplisse. Ok, donc je vais pouvoir régler les transfos. Donc lui il démarre à 60, lui il démarre à 40, donc lui c'était 50-95. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Pourquoi ils ne me font pas ces câbles là? Ok, donc pour les monter, il faut une compétence. Je surveille aussi mes stockages de base, pour l'instant c'est bon. Là il a l'air d'aller nouveau mieux, mais bon, il y a encore quand même beaucoup de choses à ramasser. Et ils ont bien ramassé ce que je leur ai dit de ramasser, hein. Il y en a plus tant que ça là. Qu'est-ce que c'est là qui ne s'est pas ramassé là? Grain de blé grêle là. Saumure, alors saumure, je sais pas où le mettre. Grain de blé grêle, par contre je vais savoir où le mettre.
Ben non, ben c'est blindé. C'est pour ça. Ouais, on va pas mettre de deuxième frigo. On mettra un deuxième frigo après. D'abord, on va laisser un petit peu le temps de faire la centrale électrique correcte. Parce que ça va faire une surconsommation, rajouter un frigo. Tout comme donner ça. Allez, bougez-vous de me le monter, le truc. Alors qu'on sait qu'ils sont pas pleins de gaz naturel. Bon, c'est juste qu'ils n'acceptent pas tant qu'ils n'ont pas alimenté. L'autre, il s'entête à m'améliorer les lignes, putain. C'est pas ce que j'attends de lui, hein. Ça a même plus son chapeau. Ah oui, je sais pas pourquoi elle a pas pris son chapeau de mécatronicien. Qu'est-ce qu'il y a avec le chapeau de mécatronicien? Pas le mettre? Normalement, quand ils ont un chapeau, est-ce que ça marche toujours comme ça? Non. Avant, on avait une... Quand c'était leur métier attitré, ça leur donnait accès à une priorité supplémentaire. Ben, on va faire combien des puces là? Pourquoi il veut pas me les faire ces câbles? C'est chiant! Attends, les priorités sont bonnes, tout. En pause. Alors, d'ailleurs, ça me fait bien de me faire penser. Ici, on a trop d'individus. Ici, on en a pas assez. Donc, on va prendre. On va en tuer un peu. Pourquoi il est affamé? Il y a tout ce qu'il faut pour les nourrir. Où c'est qu'on voit l'âge? Ah, 13, 22, 30, 52, attaqué. Trente-quatre. 39 attaqué. On va bien virer un troisième. Voilà, celui-là. Attaqué. Voilà.
Non, elles sont en pause juste maintenant. Alors, faut que je sorte mes graines velues. Graines velues 14, ok. Les arbres à poux, ils dégagent. Voilà, fini les poux marinés tout moisis. De l'air, elle est correcte à peu près partout, même si ici ça a encore un peu du mal à s'étendre. La température partout, à part dans l'infirmerie. Circulation des gaz. Elle mériterait presque une sortie supplémentaire. Ça changerait pas grand chose, on a l'impression. Ah, si je leur ai donné trop de boulot avec les trucs à ramasser. Ouais, quand on aura fini de m'améliorer tous les générateurs, peut-être se mettre au boulot. Ça m'énerve quand ça avance pas comme ça.
Catalina provisoirement, on va lui mettre construire en plus haute priorité. Ok, donc maintenant lui, on peut le démolir, lui aussi. Ce qui fait que si je passe en vue gaz, je vais pouvoir démolir cette conduite-ci, ceci, ceci. Ceci, ceci, faire construire en priorité 9, et merde putain, il s'arrête à ce moment-là, saloperie. C'est que la glace il sait plus où la foutre en fait, c'est pour ça qu'il me ramasse pas. Trois œufs de Topra, allez.
Ok. Donc là, ça, tu vas me le reconnecter dardard. Voilà. Donc, on va pouvoir s'occuper de l'approvisionnement en hydrogène. Donc, l'hydrogène, la montée est ici. On va modifier le système complètement. Oui, d'accord, pour l'instant c'est le gros bordel, hein, mais bon, c'est le temps qu'il fasse les travaux. J'essaie de faire en sorte de garder une installation fonctionnelle pendant la durée des travaux. C'est ça qui fait que ça fait un peu bordel.
Donc là, ça, il faut que je garde. Ça dégage. Ça dégage. Ok, donc là on a l'hydrogène naturel qui arrive ici, enfin naturel, toxine qui arrive ici et qui est prioritaire sur l'alimentation. Et ici en supplément, on a l'alimentation du gaz qui est extrait du geyser. Alors j'ai plus l'hydrogène qui arrive depuis les geysers, faut que je regarde pourquoi. C'est pas forcément une mauvaise chose. Que geyser est... Je sais que geyser était pas loin de se réveiller, mais en tout cas, il est encore en pause. Alors, ici. Merde. C'est pas ça que je voulais faire. Ok, donc les nouveaux se mettent en route, donc je peux déconnecter complètement les anciens. Donc on peut démolir ça, ça. 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 Un petit tour sur l'installation électrique avec l'outil de démolition. Parce qu'on va déjà démolir ça. 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 Et normalement la centrale sera en service. Il ne reste plus qu'à reprendre le système de transfo. Alors on va aller voir lui. Ça y est, là, il est reparti. Je pense qu'il vient de repartir. C'est pour ça qu'il n'y a plus tellement d'hydrogène qui arrive. Voilà. On dirait qu'il a même du mal à évacuer tout l'hydrogène. De fusion 1000 degrés, ça va être la marche. Je risque rien. Alors, calque automatisme. D'abord, est-ce qu'on a bien fini les calques gaz? Ouais, c'est bien propre. Ok, donc je disais calque automatisme, nettoyage.
Ah, cette batterie. Dégage, cette batterie. Elle dégage. Et cette batterie. Elle dégage. Voilà. Avant de commencer à déplacer les circuits, oui, ça c'est fini. Copier les paramètres. Hop. Voilà, comme ça on sera en train de cultiver uniquement ce qui nous intéresse. C'est-à-dire fini les arbres à poutres moisies. Si on est bas en pression, mais bas comment? 500, oui, on n'est pas non plus. C'est parfaitement respirable. Voilà, on tourne qu'avec l'hydrogène pour l'instant. Le gaz naturel il se stocke bien. Comme je le disais, le défaut de mon système c'est que l'excédent de gaz naturel il va être perdu dans la nature. Ça m'emmerde un peu. Pas avoir un système d'automatisme sans déconner. Il manque une lecture de remplissage des réservoirs. Ça fait un moment que je le dis, ça je comprends pas qu'il n'ait pas rajouté. Un moyen de connaître le taux de remplissage des réservoirs. J'ai qu'à faire une lecture de remplissage de gaz du conduit. Ça on sait faire. Éléments gaz, thermique, alors attends. Et non, on n'a pas. Hein. On n'a pas et c'est emmerdant, c'est très emmerdant. J'ai pas de solution miracle. C'est pour réfléchir, je vois pas de solution. Équipement en manque de ressources, alors on va plus aller. Conduite rayonnante. Je n'ai plus de tungstène. Ah, j'en ai plus, tiens. Oh bah là, c'est bien remonté là avec la glace qui a fondu. Et on va faire fondre davantage, tiens. Parce qu'on va faire du tungstène. J'en ai 12 tonnes, donc tu peux m'en faire 50 parce que j'en aurai besoin de pas mal bientôt.
Ok, bon, on est au moment où on va faire la transition électrique. Alors, il me faut une ligne déjà. Déjà commencer par ramener les lignes une par une dans l'ordre qui soit le plus logique possible. Alors déjà, on va prendre cette ligne aussi pour faire ça. Voilà. Et donc quand c'est fait, je pourrais la couper d'ici. Attends, bah ça, je fais ça comme ça, mais c'est pas dit que c'est ce que je vais faire. Si, remarque, si, c'est ce que je vais faire. Donc ça, on va l'emmener ici. Après, on a cette ligne-là qu'on va emmener au suivant. Donc, donc là, ça me fait cette ligne là. Donc après, on est sur la ligne d'ici qu'on va emmener ici. Voilà, ça me laissera une ligne de marge en bas. Donc on va pas celle-ci. Je lui veux une batterie secourue. Elle se fait en câble de qualité. Ça va dégager à un moment donné. Alors, donc on a cette ligne-ci qui est opérationnelle, ça veut dire que je peux dégager celle-ci. Ok, maintenant on a celle-ci qui est opérationnelle. Ça veut dire que je peux dégager ce qui l'alimentait. Pas se tromper, ceci.
Voilà. Ok, donc maintenant on a la ligne principale ici qui est opérationnelle, ça veut dire que je peux dégager ça. Allez, allez, au boulot les péons. Ok, donc là, ils m'ont fini ça là-haut. Ça veut dire que je peux dégager ça-ci. Donc on va faire construire ça, ce qui va me permettre de dégager cette boucle à la con. Ça a été construit sans même que je m'en rende compte. Voilà. Ensuite, on va. On a cette ligne-ci qui m'alimente en haut. Donc. Là, ça me permet de faire dégager cette ligne-ci. On a des surcharges qui traînent, mais ça c'est
inévitable. On va essayer de pas, on va essayer espérer que ça fera pas trop de dégâts. Et puis ça a plutôt l'air d'en faire à donf. C'est juste le temps de la transition, quoi. Le circuit qui surcharge, c'est celui-ci parce que. Parce que c'est de la merde, il faut que je fasse quelque chose. Bon, déjà, on va finir la transition électrique entre les deux, entre l'ancienne et la nouvelle installation. Ouais, 400 kg de fer raffiné, c'est pourri. Tout est pourri là. On va prendre la moins pourri, hein, c'est encore le fer. Je pense que c'est bon là. Voilà. Là, on a fait la transition, on a tout migré. Encore une prise qui déborde, qui dépasse ici. On a tout migré, tout est fonctionnel sur la nouvelle installation. Alors maintenant, j'ai des problèmes de circuit surchargé sur ce circuit-ci. Question, combien est-ce qu'il me reste de... cuivre raffiné, 7 tonnes. Ouf. C'est parti. C'est parti pour l'emplacement des câbles sur ce circuit. Alors, donc le circuit qui déconne, c'est celui-ci.
Même si je ressors de l'eau à 26 degrés, on dirait qu'ils ont diminué ce genre de choses. C'est un peu facilité, on dirait que ça chauffe beaucoup moins avec de l'eau. Avant, elle était constamment emmerdée avec ça. Pas large en nourriture, donc pourquoi est-ce que de la nourriture s'est détériorée? Putain. Ouais, c'était pour nourrir les lys, mais les lys, tant pis, j'en ai pas. Là, ça commence à chauffer un peu. Ah, excusez-moi. À 17h05, on va régler ces problèmes avant d'arrêter. Pickup, j'en ai 4 en stock, parfait. Là, je suis content, une installation électrique propre et fonctionnelle. Par contre, comment ça c'est que j'ai un générateur à hydrogène qui manque de gaz? C'est que je manque de gaz hydrogène. Ah putain, pourquoi ça c'est qu'elle a cassé elle? C'est quoi qui a cassé d'abord? Pompe à gaz hors d'usage. Elle est en or, elle a un point de fusion de 1663 degrés. De 1063 degrés. On n'est pas arrivé à 1063 degrés ici quand même. On arrive à 100 et quelques. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est température de surchauffe 75. Je rajoute 50 degrés de marche, ça fait 125 degrés à température de surchauffe. Ah oui, ça a surchauffé. Ça a surchauffé. Bon, alors, comment on peut faire pour éviter que ça surchauffe?
bougez-vous de venir me faire cette réparation là. Heureusement, j'ai refait du stock de charbon grâce à mes animaux entre temps. En parlant d'animaux, il faut que je surveille quand même la population dans les pièces. Il faut que j'en cherche un vieux ici pour le tuer. Faut que j'en fasse tuer un. 34 ans. 45. 45 il va y passer, allez-y. Voilà, niveau bouffe on a repris le dessus. Grêle, j'en ai trop. Du grêle, j'en ai trop, donc il faudrait que ça servir. Le meilleur recette avec mon blé grêle que j'ai en stock. Non, c'est avec des noix picha. Des œufs de gluant. Ouais, c'est bien, mais j'ai pas encore prêt à faire un élevage de gluant, moi. On va les prendre, on va les toquer. Hein. J'ai 3 omelettes de plus. Ah merde, ça stocke pas les œufs de gluant. Non. Tant pis. Un qui tourne et pas l'autre, ça c'est pas normal. Conduite bouchée. Ah putain, combien de fois je vais me faire avoir. Pouvoir modifier l'orientation des conduites sans être obligé de les démonter à chaque fois, c'est chiant. Moi, est-ce qu'ils ont rajouté une option que j'ai pas vue? Juste un bouton, déconnecter tout. Tu tiens une conduite entièrement déconnectée et après tu refais tes connexions. Alors.
Voilà. Bon, faut encore que je mette en place une solution qui empêche de gaspiller le gaz naturel. Sauf que là, avec ma pompe cassée, là, du coup, j'en ramène encore plus. Putain, pourquoi il me la répare pas? Allez, on fait ça et puis on s'arrête. Ça devrait permettre de refroidir un peu. Sinon, il s'agit de faire quelque chose de provisoire en attendant d'avoir de mettre en place un vrai système de refroidissement.
Voilà. Alors, on reprend le dossier sur le générateur hydrogène. Donc, comme j'ai dit, on va s'arrêter là pour ce live. On va s'arrêter, avant de s'arrêter, on va regarder sur le bilan de la colonie, un petit tour. Voir un petit peu où on en est. Alors, la puissance producteur, ben, c'est en constante augmentation, hein, c'est normal. Puissance gaspillée, ça reste extrêmement bas. On stabilise. Calories créées, voilà. Temps de travail. Temps de trajet. Temps de trajet, il va falloir que j'arrive à diminuer ça, mais sans pétrole, ça va être compliqué. Pourquoi le temps de trajet, je l'ai plusieurs fois là, avec des statistiques différentes? C'est quoi la différence? Temps de travail, je l'ai deux fois. T'as quelque chose écrit là, j'arrive pas à lire, c'est écrit trop petit. C'est pas grave. Créature élevée, voilà. Ajouter, voilà, stress moyen élevé. J'ai eu quelques soucis. Ok, bon, très bien. Ça avance bien. On va se mettre les duplicants, tiens. L'envoi des duplicants, l'envoi des équipements qu'on a le plus. Et on va mettre le replay de la colonie. Donc je vous remercie de m'avoir suivi sur ce live sur Oxygen Notting Cloud, un petit live l'après-midi. On a mis en place la centrale électrique. Je vous donne rendez-vous ce soir à partir de. Ah, ça va être plutôt 21h, 21h30 pour la suite. Donc ce soir, je pense que je vais peut-être m'occuper d'une solution de manière à ne pas pomper l'hydrogène et le gaz naturel quand les réservoirs sont pleins, de manière à ne pas en relâcher gratuitement. Je préfère qu'ils stagnent au niveau des geysers plutôt que d'être gaspillés. Ça permet d'avoir une réserve en plus de production. Ensuite, je sais pas encore ce que je vais faire. Je vais peut-être commencer à aller chercher forer après le pétrole. Maintenant qu'on a une production d'énergie stable et avec de la marge, on va pouvoir commencer à penser à produire du plastique. Ce qui va permettre de débloquer beaucoup de choses, y compris les échelles en plastique déjà qui vont diminuer énormément les temps de trajet, mais surtout les pipes. Et aussi peut-être les jetpacks, mais un jetpack mitigé, hein, mitigé sur l'utilisation des jetpacks. Des fois ils ont plus de mal qu'autre chose. Alors, remarque qu'ils ont dû les patcher depuis. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas à lâcher un petit follow, c'est important pour soutenir les streamers. Je vais regarder si j'ai quelqu'un à vous recommander parmi mes followings. À ce tour-ci, il y a de grandes chances. Je vous invite à aller voir LDS qui fait du Tropico 6. Tiens, je m'attendais à le voir sur Ronnie. Donc, passez un bon bonjour. Ça là aussi, c'est important de suivre les raids, même si vous ne restez qu'une minute chez lui. Ça lui permet d'amorcer son audience. Parce qu'il faut avoir des viewers présents pour faire venir des viewers. C'est con, mais c'est comme ça. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Et je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao. C'était Darkmer. Darkmer.